Hey yo les amis, c'est Fritz. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo sur un jeu que vous adorez sur Yandere Simulator. En plus de ça, il y a une toute nouvelle école qui est sortie aujourd'hui. C'est faux. Malheureusement, il n'y a pas de nouvelle école et ce n'est pas du Yandere Simulator, mais c'est presque ça. On n'est pas loin. On n'est pas loin, tu vois, c'est presque ça. On est sur Roblox avec Sora parce que je ne suis pas tout seul, je suis accompagné aujourd'hui de mon cher ami. Bonjour, bonjour. Bonjour, pour faire quelque chose qu'on n'a plus fait depuis très très longtemps, c'est un cache-cache dans l'école de Yandere Simulator. Voilà, une nouvelle école incroyable. Voilà, il y a un mec, il y a du travail. Là, il y a du travail. Là, il y a de quoi là, faire. Là, il y a du budget. Regarde ça, c'est graphisme exceptionnel. Cette qualité de texture de... Regarde la tenue de Osana. La tenue de Osana, oh tu vois, putain. Osana elle est choquée. Alors que c'est plutôt Senpai qui devrait être choqué. J'avoue de... Ah, il rougit un peu quand même, tu vois, il est un petit peu timide, genre il est gêné. Il est pas bien, il est pas bien le garçon. En plus il a trois filles qui l'observent, genre ça doit être assez intimidant je pense. Ah voilà mec, elle est tombée. Du coup, les amis, revenons à nos moutons. Nous allons faire un cache-cache. On en a déjà fait un sur la chaîne Sora, mais sa vidéo viendra sûrement plus tard. Mais dans tous les cas, quand il y aura le lien dans la description, vous pourrez aller checker son point de vue. Ou c'est moi qui me suis caché dans sa vidéo et lui il va se cacher dans la mienne ici. Donc c'est moi qui vais devoir le chercher. Les règles sont très très simples. Il y aura une minute pour pouvoir se cacher. Moi j'aurai 3 minutes pour le trouver et on va faire ça sur 3 manches. Comme ça, bah voilà, on laisse plus de chances pour gagner et remporter cette vidéo. Du coup, je crois que c'est assez simple comme règle. J'espère que t'es prêt, toi, gros, et motivé à te planquer. J'ai déjà quelques cachettes en tête. J'attends le départ, j'attends le chrono. Okay. Je vais me mettre dans le coin, ici, hop, comme un cache-cache classique. Attention, je fais le décompte. 1, 2, 3, go. Tu as une minute, gros, pour pouvoir te planquer. D'accord, t'as mis le chrono en route. Je me fie grâce à mon rec, là, j'ai commencé à 3 minutes 15, donc à 4 minutes 15, 4 minutes 15, et ce sera bon. Ok, vas-y. Donc, t'inquiète, je sais comment faire. La première cachette, mec, je crois en moi. Je pense que ça va être compliqué pour toi, j'espère. Mais ouais, parce que lui, il en a profité. Tu vois, on a d'abord tourné chez lui, donc en gros, il en a profité pour trouver des petites planques par-ci par-là. Et je pense qu'il va nous réserver de bonnes surprises ou de mauvaises, cela dépend. Écoute, je ne sais pas, mais j'aimerais qu'elle soit bonne. Hein. Enfin, qu'elle soit mauvaise pour toi et bonne pour moi, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, j'aime pas. Attends, moi, je suis là dans le coin, là. J'aime pas. Attends, je suis pas de patient. Moi, j'ai envie de te chercher, là, gros. Mais ouais, je suis caché. C'est bon, je suis caché. C'est bon, t'es déjà planqué, c'est sûr. T'as pas besoin de temps de plus. Mais c'est tellement KTW. Donc, si t'as déjà trouvé ta planque, alors je peux y aller alors. Vas-y, tu peux y aller. Ok. Attention, 1, 2, 3, go. Ok, je sais qu'à 7 minutes 11, je dois arrêter les recherches. Bon, déjà la question c'est, est-ce que tu t'es planqué à l'extérieur ou à l'intérieur de l'école? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses aussi intéressantes à l'extérieur. C'est une très bonne question. Et je ne saurais te répondre. Oui, bien évidemment. Je sais qu'il y a le bâtiment des douches, j'hésite à y aller. Je sais pas. Tu peux sprinter hein, si jamais, hein. T'as le sprint. Ah oui, j'avoue, c'est ça, la course de Naruto. Parce que mec, ça change tout, gros. Ouais, j'avoue. Si tu sprintes pas, mec, t'as un gros handicap. Mec, mais moi, je l'avais pas sprinté, gros, mais t'imagines, genre, je t'aurais jamais trouvé. Ok. Bon, là, il n'est pas là. Je vais faire les choses étape par étape. Le truc que j'ai peur, c'est, voilà, je cherche à l'extérieur, je suis en train de perdre un temps fou, alors qu'au final, peut-être à l'intérieur. Ah, il y a le labyrinthe aussi, c'est vrai. Non, ça me paraît trop facile, le labyrinthe, tu vois, genre, je sais pas. En plus, tu sais qu'il y a moyen de faire quelque chose pour voir très facilement ce qui se passe dedans. Non. Ouais, bien sûr. Mais tu peux faire ça, pour le labyrinthe, tu peux. Parce que je l'ai fait, donc... Ouais, non, mais je sais que t'es pas dedans. C'est impossible que tu sois dedans. Ah, il y a la piscine aussi, c'est vrai. Il y a la piscine. Il y a les délinquants. Attends, on peut se cacher dans la poubelle? T'imagines, le mec, il est dans la poubelle, genre au calme, tu sais. Genre, meilleure planque ever. Mais non, on peut pas, c'est impossible. La piscine, peut-être, tu vois. Ça, je me dis que ça peut être, genre, planqué dans l'eau ou un truc comme ça. Écoute, hein, peut-être, hein, c'est possible. Tout est possible, tout est possible. Hein, Attends. Il va falloir que tu sois très observateur, hein, si je peux t'aider. Mais très, très. Moi, j'ai dans mes vidéos à moi, enfin dans ma vidéo, j'ai vérifié ces endroits-là. Après, il faut que tu sois très observateur. Ouais, j'ai regardé ici au-dessus carrément du plongeoir, tu vois. Je me suis dit pourquoi pas. Ah, mais on peut même. Oh, mais mec, c'est une planque de malade ça. Ouais, non, en fait, tu ressors au bout d'un moment. En fait, tu peux rester un petit peu sous l'eau, tu vois. Genre carrément dans l'eau de la piscine et on voit plus le guest. Ouais, bien sûr. Bah, ça, non, c'était la cachette que je voulais faire. Attends, c'est quoi ça? Tu m'as fait. Attends, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, bro. Attends, je sais pas si tu es là, mais. Si c'est ça, mec. Non, c'est tellement sale, mec. Je suis pas là. Je t'ai trouvé, gros, mais what? Non si, je t'ai trouvé, mec. Oh, mais...
Gros, je sais pas pourquoi. Mais de loin, genre, j'étais là-bas au niveau de la piscine, tu vois. Et j'ai vu un énorme G ou un ST, je sais plus, oh en non majuscule, dépasser de l'arbre. Mais ouais, c'est chiant, mec. Non. Bon, c'était la game de chauve. Après, t'y peux rien en soi, la planque était vraiment bonne, hein. Parce que à aucun moment, j'aurais pensé à regarder dedans. Mais on voyait. Putain, j'ai juste. C'est bizarre parce que je l'ai pas vu au début, mais je l'ai vu de loin ton guest. Donc c'est étrange, genre c'est bizarre. Je crois que c'est un bug. Bah écoute, tant pis. Hein. Mais quand même, GG gros, parce que t'as quand même bien tenu pour une première manche. Je trouve que t'as pas démérité, sachant que c'est le jeu qui m'a aidé. Donc GG. Voilà. Eh bah, merci beaucoup. Ah, et bah, ça me et fait pas plaisir. De rien, avec plaisir. Manche numéro 2. Ouais, manche numéro 2. Ok bah gros, est-ce que tu es de nouveau prêt à te planquer? Je suis cette prêt. Fois-ci, je il faut que prêt. Tu penses aussi, tu dois te cacher toi-même, mais cacher aussi ton guest. Là, c'est un double cache-cache. Attends, c'est pas facile, mec, on a un handicap de ouf. J'avoue que c'est un handicap, mais nous, on aime bien les challenges, les défis. Du coup, je suis sûr que tu peux trouver une planque qui me fera galérer comme un gros porc. Allez, vas-y, okay. Tu es méga chaud, tu me dis que pas chaud. Je vais lancer le chronomètre. Attention, 1, 2, 3, let's go. Tu as une minute pour te planquer, okay, mon cher ami. Du coup, bonne chance. Et moi, je vais regarder ce mur. J'ai une petite idée. J'ai une petite idée, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Mmh. Je l'avais vu pendant que moi je te cherchais. Je sais pas ce que ça peut donner, mec. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a quand même quelques petites planques intéressantes. Et je sais pas, je pense que tu vas plus jouer des cartes de te cacher à l'intérieur ou. Je sais pas. Que l'extérieur, en fait, t'as vite fait le tour. J'arrive pas à me cacher là où je veux. J'arrive pas à me cacher là où je veux. Tu veux glitcher, c'est ça. Je suis sûr que tu veux rentrer dans un casier ou une connerie comme ça, tu vois, genre te planquer à l'intérieur. Même pas, mais je suis sûr qu'il y a moyen pas. Parce que dans Roblox tu peux facilement glitcher. Hein. Oh, c'est bon. Ouais, jeu, ça c'est passe bon tellement vite, gros. Écoute, qui te double. T'as trouvé ta planque? Ouais, c'est bon. Ok. C'est qui te double, mec? Franchement, ouais. Je suis pas serein. Attention. Je suis vraiment pas serein du tout de ma casquette. Des fois, mec, c'est les. Ouais. Même moi, j'étais pas serein avec les. Bah, je ne dis pas. Il y avait une planque, j'étais pas serein. Et... c'est la pire cachette d'Europe, mec. Bah, on va voir ça du coup. Attention, gros. À 3, je lance mon chrono de 3 minutes. 1, 2 et 3, c'est parti. Let's go. J'ai 3 minutes pour te trouver. C'est parti. Je passe en mode tryhard comme jamais. Alors, au milieu des élèves ici. Impossible que tu te sois planqué, je t'aurais vu directement. Drôle de position, c'est un SM bike. Du coup, nous allons aller voir dans le petit jardinet des familles. Peut-être que tu t'es planqué dans un buisson. Genre, il y a moyen. Ah, il y a vraiment moyen de se planquer dans un buisson. Attends. Attends. Il y a moyen de se bloquer. Il y a même se mettre dans pas mal d'endroits. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bah ouais, attends, ça tombe, t'es dans un buisson. Hein. Ah, j'avoue que ça, c'est pas une. Ah, je te dis rien du tout, moi. Je ne te dis rien du tout. Ouais, tu m'étonnes. Non, il n'est pas dans les buissons, mais ça aurait pu être une planque intéressante. De toute façon, franchement, je pense que c'est qui tout doux là. Parce qu'à mon avis, si tu vas à un endroit, je pense qu'on va vraiment. Ouais, direct. Tu crois? J'espère pas, mais. Putain, mais le truc, c'est que tu vois, si je cherche à l'extérieur pendant un bon moment, parce que là, il y a déjà presque une minute qui s'est écoulée, si je cherche à l'extérieur et que tu es à l'intérieur. Ou alors, est-ce qu'il se serait planqué là-dedans? Ah bah c'est le risque, hein. C'est le risque. Ouais, hein. C'est ça. C'est le risque à prendre. Putain, non, il est pas là. J'ai envie de revoir la piscine, on sait jamais, parce que je t'ai parlé de l'eau et tout et tout. Donc je me dis, pourquoi pas. C'est possible, mais après, j'ai vu que t'as trouvé ma cachette, je me suis dit, bon, je vais pas me montrer, tu vois. Non. Enfin, j'ai pas l'affaire, tu vois, j'ai pas l'affaire alors que tu l'as dit, non, tu vois. Non, c'est clair, putain, mais j'ai vu deux élèves. J'ai le seum parce que là, je pensais pas que tu trouverais la cachette sous l'eau, tu vois, je pensais pas. Ouais, mais j'ai trouvé, gros, t'inquiète pas, moi je suis un connaisseur. Attends, je vais monter. Il me reste combien de temps là? Il reste 1 minute 30, putain, c'est chaud pour moi. Mais monte, mon pote. Oula, mec, c'est chaud, mec. Ouais, en vrai, c'est compliqué. Hein. Là, je suis encore à l'extérieur, je sais pas. Il reste plus qu'un seul endroit, ou alors il y a le labyrinthe aussi, mais mec, j'ai pas envie de. Attends, peut-être ici. Suis-je à l'intérieur, suis-je à l'extérieur? Après, tu peux toujours foncer vers l'intérieur, mais par contre, si tu fonces à l'intérieur et que je suis à l'extérieur et que t'as pas tout fouillé, bah, c'est ça en fait. C'est la victoire. C'est ça, je vais juste regarder le labyrinthe ici. Ouais, non, il est pas dans le labyrinthe. Ok, je passe à l'intérieur, gros. Ah, mais mec, c'est insane, mec. Putain, mais. J'ai tellement l'impression. Il reste combien de temps, gros? Il reste 52 secondes. Ouais, mais gros, oh, regarde. Mec. Attends. Ah, quoique, je sais pas. Regarde, je t'ai trouvé, gros. Mais mec, non, mais le jeu non, t'a trahi non, peur. Le jeu t'a trahi, gros. Ça dépassait. Encore le... Ouais, ça dépassait du mur. Trop chiant, oui, c'est de guess, là, c'est méga. Il te restait juste 50 secondes, en plus. Après, je commençais à rentrer à l'intérieur de l'école. Mec, y'aurait pas eu le guess, je sais pas... Y aurait pas eu le guess, t'aurais quand même vérifié. Bah, j'allais rentrer à l'intérieur de l'école, et c'est les premières pièces, donc je pense que j'aurais regardé, tu vois. En vrai,
Ouais, t'aurais regardé derrière Je l'horloge. pense. J'allais justement rentrer à l'intérieur, enfin me diriger, et il me restait 50 secondes, donc je pense qu'à mon avis, en rentrant ici, tu vois, j'aurais fait le tour comme ça vite fait et je t'aurais vu. Franchement, mec, super planque. Hein. En vrai, c'est dommage parce que tu trouves des bonnes planques, mais le jeu te crame. En fait, je pense que quand t'es trop collé au Mais mur, ouais. bah ça fait bugger le truc, tu vois. Ok, bah écoute, je vais retenter ma chance. Bah ouais, au moins, pour au moins la... pour sauver tu as l'honneur. gagné au final. Ouais, c'est vrai, je vais Mais gagner. pour sauver l'honneur. Au moins pour sauver l'honneur. Mais en vrai, j'y pensais, mais les amis, s'il y a des pros Roblox parmi vous, et genre, si vous avez des talents de, genre, je sais pas, pour créer des maps ou quoi, si vous arrivez à créer une petite map privée avec l'école de Yandere et tout ça, on peut régler ce problème-là pour nous peut-être refaire un cache-cache plus tard. Honnêtement, avec grand plaisir. Hein. Avec on plaisir. Sait jamais, je préfère. Avec grand je plaisir. Le demander. Est-ce que... S'il y a des génies de Roblox. Bah, c'est ça, parce que là, il n'y a plus aucune map à part celle-là. Donc voilà. On est parti pour la dernière manche. Ok gros, je me replace dans le coin. Hop. Est-ce que tu es prêt pour cette dernière manche pour sauver ton honneur ou pas? Je suis ready. Tu es ready, alors attention. 1. Je suis ready. Et 2. Et 3. Let's go, tu as une minute de nouveau pour pouvoir te planquer. Oh, ok, non, une minute ou moins en fonction de si tu trouves rapidement ou pas ta planque. Là honnêtement t'as trouvé deux bonnes cachettes, donc je vois pas ce que tu pourrais utiliser comme carte maintenant. Mais il y a toujours des trucs, il y a toujours des bonnes planques. J'ai donné tellement toutes mes cartes mec, c'est tellement chaud maintenant. Ça dépend parce que je me sens à chaque fois obligé de chaque fois fouiller l'extérieur et tout genre. Donc je perds déjà pas mal de temps avec ça, parce que je me dis il faut faire les choses étape par étape tu vois. Et je pense que l'extérieur, mais t'as raison. Commencer par l'extérieur ça reste le meilleur bail. Il reste combien de temps là? Il reste 25 secondes. Ça passe tellement vite, genre le temps, c'est abusé. Chaud, on mec, se rend pas compte, hein, mais une minute, en vrai, c'est cool. Hein. Il reste, attention, gros. Oh, mec. Il reste 15 secondes. Oh, mais mec, c'est une blague. Ça sent le mec qui a pas réussi à trouver une planque, tu vois. En même temps, comment tu veux que je trouve une planque aussi? Attention, gros. 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Les 1 minute sont passées. Je réinitialise mon temps. 1, 2, 3, let's go, j'ai 3 minutes pour pouvoir te chercher. Allez, on commence par l'extérieur directement. Attends. C'est jamais, hein. On sait jamais, gros mec, ça aurait pu être parce que les deux manches d'avant, je l'ai pas fait. Tu sais que tu peux carrément sortir de l'école et te cacher derrière un mur avec les élèves. Hein. Genre juste ça. Ouais, mais je l'ai pas fait. Mais t'y as pensé, je suis sûr. J'y ai pensé, parce mais que dans les deux fait. Autres manches, honnêtement, j'aurais jamais pu te trouver là parce que j'y avais pas pensé. Là, j'y ai pensé, mais avant pas. Le petit jardinet, il s'est peut-être planqué dans les buissons, même si je pense pas qu'il a été aussi. Généralement, on a l'habitude d'aller loin, tu vois. Genre, on se dit, plus loin on va. Bah, j'ai tout donné, moi. J'ai vraiment tout pour le tout. Bah, alors, je vais me dépêcher. Tac, 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 la buisson n'est pas là. Il peut peut-être tout simplement être derrière. Un chalet. Ça va, franchement, gros, meilleur plan du monde, hein. Ouais, vraiment. Mec, je sais, j'ai fait ce que je pouvais. Ça sent le mec qui a paniqué. Toutes mes planques de génie, elles ont été. Ça sent le mec qui a paniqué. Mais bien sûr, toutes mes planques de génie, elles ont été cassées par le jeu. Tu voulais que je fasse quoi? Merde. Eh bah, écoute, gros, hein. T'as essayé de sauver ton honneur, malheureusement. Écoute, t'es pas passé, mec. En vrai, hein, on peut quand même saluer le fait que le jeu m'a quand même flingué oui. deux gâchettes. C'est vrai que je pense ouais. que s'il n'y avait pas eu le guest, il y aurait eu certainement au moins une victoire, ça c'est sûr, c'est obligé. Donc ouais. j'espère que si un jour on refait des cache-cache, bah qu'on aura plus de putain de guest. Mais ouais, c'est trop chiant, mec. Bon bah c'est pas grave. De manière, il y a ta vidéo qui viendra plus tard. Et peut-être que ça aura, bah voilà, gagné ou perdu, hein, on ne sait pas, on ne donne pas le résultat. Hein. En tout cas, ce que vous pouvez déjà faire dès à présent, c'est aller sur sa chaîne, vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour attendre la vidéo quand elle sortira et aller la voir. Et quand elle sortira, je vous mettrai le lien aussi également de la vidéo où je me suis planqué dans la description. Du coup, n'hésitez pas aussi, si vous avez kiffé, à mettre le petit pouce bleu. Mettez-nous dans les commentaires si ça vous a plu, de nous retrouver sur un cache-cache, tout ça ensemble. Vous pouvez vous abonner à la chaîne ici, à celle de Sora ici, ou checker deux de mes autres vidéos. Ici, c'était votre Fritos et Sora. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.